Après une longue absence, Demain nous appartient revient enfin sur TF1 demain à 19h10 pour de nouveaux épisodes inédits centrés notamment sur le viol dont a été victime Amanda. Découvrez ce qui vous attend dans la suite de la série. Interrompu le 20 mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus qui a mis le tournage à l'arrêt durant plusieurs semaines, la diffusion de Demain nous appartient reprend enfin ce lundi 15 juin à 19h10, nouvel horaire, sur TF1 pour le plus grand bonheur des fans de la série. Et si l'arche narrative consacrée au passé d'Antoine et à la mort du père de Martin avait tout juste pu se conclure avant la pause, si est-il tout de même sur un suspense des plus haletants que le feuilleton quotidien porté par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur nous avait laissé. Un cliffhanger choc qui va lancer une nouvelle grande intrigue centrée sur Amanda, Marion Christman, l'infirmière de l'hôpital Saint-Clair et ex de Maxime, que vous allez pouvoir découvrir tout au long des prochaines semaines dans Demain nous appartient. Comme le laissait présager la toute fin du dernier épisode diffusé en mars, Amanda a été agressée et violée à son domicile, dans la nuit suivant la fête des 3 ans du Spoon. Profondément meurtrie par ce traumatisme, la jeune femme, tout d'abord hésitante, va finir par rassembler tout son courage pour aller déposer plainte au commissariat, où elle trouvera l'oreille attentive d'Aurore, Julie Desbazac, mais devra aussi faire face au scepticisme de Martin, Franck Monsigny, qui mettra sa parole en doute à cause de l'absence de témoins et du manque de preuves. Pourtant Amanda ne ment pas et le viol qu'elle a subi va faire planer une vraie psychose sur la ville, d'autant plus que celui qui s'en est pris à elle ne va pas tarder à frapper à nouveau. Tandis qu'Amanda trouvera un vrai soutien auprès de Maxime, Clément Rémien, et des Delcourt, la police va tout faire pour arrêter ce prédateur et un habitant sans histoire de cette va finir par être suspecté. Cette nouvelle intrigue de Demain nous appartient, qui va également concerner d'autres femmes de la série, met pour la première fois en avant en tant que personnage central Amanda et offre une très belle partition à Marion Christman qui se révèle bluffante et bouleversante, entre fragilité et rage, dans les épisodes que nous avons pu voir en avant-première. En parallèle, et sur un registre plus léger, Chloé apprendra enfin le sexe de son bébé et fera tout pour qu'Alex, qui souhaite garder la surprise jusqu'à la naissance, ne soit pas mis au courant. Mais malheureusement pour elle, à cause de Sandrine et de Rose, ses meilleurs amis qu'elle a mis dans la confidence, la nouvelle ne va pas tarder à faire le tour de la ville. De leur côté, Bart, Hector Langevin, et Gabin se lanceront ensemble dans une nouvelle aventure professionnelle étonnante, un business de sushi. Quant à Antoine, Frédéric Diéfantal, il renouera enfin avec sa sœur, Gina. Mais tout ne sera pas rose pour les habitants de cette puisque chez les Bédillard les tensions entre Samuel, Axel Kinner, et Nour, Saël de Figueredo, monteront encore d'un cran et pousseront l'adolescente à retourner vivre chez son père. Enfin, Soraya, Kenza Saïbi Couton, continuera de s'occuper de la demande de libération anticipée de Thomas Delcourt, Cyril Garnier, et finira par tomber sous le charme de son client. Son couple avec Rémi survivra-t-il à ses sentiments naissants pour Thomas? Réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient. Le nouveau générique de Demain nous appartient, à l'antenne dès demain. Ah.